Tu viens dans l'avion, bienvenue monsieur, couloir de gauche, couloir de droite. Tu t'assois, clac, on ferme toutes les portes. Tout est verrouillé. Quand c'est verrouillé, on ne peut plus ouvrir. Et puis l'avion ferme le taxi, on ne te dit rien. Et puis à un moment donné, l'avion décolle. Là, monsieur, on va partir. 7 heures de vol. Quelques orages. Turbulences légères. On ne t'a pas dit dans le restaurant qu'il y aurait des turbulences. On ne te l'a pas dit quand tu as acheté le billet. On t'informe à un moment où tu ne peux plus changer d'avis. Je me dis, chers amis, j'ai voyagé avec des gens. Ils faisaient Brazzaville, Lomé, je ne sais plus. À l'aller, au retour, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette histoire. À l'aller, c'est une dame qui était assise entre moi et l'autre monsieur. Quand les turbulences ont commencé, quand on traverse un peu la forêt équatoriale, là, un peu de montagne, parce que ces vides-là qui sont faits dans l'agglomération forestière, c'est ça qui perturbe le mouvement de l'air. Ce qui fait que quand il y a l'absence de l'air, la gens descendent et puis tout l'air s'arrête. Et donc quand on arrive là, la dame, là, ma fille était au milieu. Elle attrape ma main, elle attrape la main de celui qui a fait droit. Et elle lui serre ses idées. Quel que soit ce qu'elle va faire, ça ne changera rien. Parce que l'avion ne réagit pas à ses émotions. L'avion réagit au bouton appuyé par le commandant de bord qui ne nous regarde même pas. Il nous a déjà tourné le dos. Comprenez cela, chers amis. Au départ, tous étaient en face de nous, mais dès qu'on monte dans l'avion, ils ont tous tourné le dos. Et d'ailleurs, quand ça commence, il dit attachez vos ceintures, ils vont s'asseoir. Sauf qui peut. Dieu pour tous. Comprenez cela, chers amis. Extraordinaire, hein? Cette dame m'a frappé. Elle m'a frappé comme ça. Et par solidarité, bon, je l'ai laissé pendant au moins une heure. Elle, c'était bon. Mais en retour, c'est un monsieur qui est juste devant moi. Je ne sais pas de quel type il est à Brazzaville. Mais j'ai dû imaginer un peu sa tribu. Vous avez envie de rire, mais vous avez l'impression de vous dire peut-être qu'il est malade. Qu'il était malade. Vous voyez? Vous savez, quand tu te mets en première, c'est là où il y a plus. Parce que c'est en première là-bas que ça bouge plus. Il y a devant et puis il y a la queue. Au milieu, c'est un peu équilibré. Donc, quand tu payes cher pour aller devant, c'est pour prendre tout le coup quand ça fait ça. Et quand ça fait ça, c'est celui qui est derrière qui prend. Le monsieur. J'ai dit, Seigneur, peut-être qu'il ne prie pas encore, mais accepte ça comme un parler en anglais. Il est un peu plus âgé que moi, mais je me regarde. J'ai dit, mon Dieu, la peur, qu'est-ce que ça peut faire? Vous savez, la peur produit le stress. Et le stress, c'est ce qui permet de prendre une décision. Sauf que là, c'est-à-dire dans le stress, quand tu as pris la décision, c'est ça qui te donne l'avantage sur le stress. Maintenant, quand tu ne peux pas prendre une décision, le stress t'achève. Là, quelle décision il va prendre? Il ne peut pas descendre, il ne peut pas demander qu'on le débarque. Donc, il se bat avec son stress. Que Dieu nous bénisse. Donc, Moïse nous dit que ces gens ne verront pas le pays que Dieu a juré à Abraham, de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Bien. Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voix. C'est Dieu qui parle. Et il dit, excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kenizien, et Josué, fils de Noun, qui ont pleinement suivi la voix de l'Éternel. Donc vous comprenez qu'au départ, ils sont des milliers de jeunes qui ont 20 ans minimum. Mais à l'arrivée, il n'y a que deux qui sont qualifiés. Maintenant, retenez ceci. C'est que quand Dieu les qualifie, comment Dieu
les cite. Il les appelle par leur nom et par la filiation. Jésus est fils de nous. Toi, tu es fils de qui? Lisez dans toute l'histoire de la Bible. Jésus, fils de David. Moïse, David, fils d'Isaïe. Le Père permet de comprendre tes origines et puis les valeurs que tu peux prôner. Amen. On est ensemble? Amen. Donc, tu ne peux pas te permettre de servir Dieu sans qu'on connaisse ta filiation. Métisédex, c'est passé. Même Jésus, qui est de la lignée de Métisédex, a une filiation. Moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Ok, fais-nous une audio de cet appel. Parce que je crois que la Bible est claire que nul ne s'attribue cette dignité si elle l'est donnée. C'est-à-dire que c'est des gens qui doivent parler pour toi. Même Jésus, quand il est né, il y a eu des gens qui ont intervenu. Joseph est obligé d'aller déclarer que c'est mon fils. Même si ce n'est pas lui qui l'a mis en. On est ensemble? Joseph est obligé d'aller le déclarer auprès des pouvoirs publics de l'administration que lui c'est mon fils. Donc il a un père. Il a une mère. Il y a une filiation. Mais les autres sont disqualifiés parce qu'ils n'ont pas suivi les voies. Mais quand il lui dit que ces personnes n'ont pas suivi les voies de l'Éternel, qu'est-ce que vous pouvez retenir là? Mais en fait, ces voies de l'Éternel se manifestent par Moïse. Et puis regardez, vous savez, aujourd'hui, il y a cette forme de fausse humilité qui consiste à écarter l'homme de Dieu totalement, à l'ignorer, sous prétexte de glorifier que Dieu. C'est faux. Parce que Dieu se glorifie au travers de ses serviteurs et les serviteurs se glorifient en Dieu. Jésus lui-même, avant de s'en aller, il dit, tu m'as glorifié, moi je t'ai glorifié, mais glorifie-les. De la gloire que moi j'avais avec toi avant que le monde ne commence. Donc, cette gloire, on ne peut pas la refuser, mais c'est la manière par laquelle elle est manifestée. Parce que, comment expliquer qu'on dise à quelqu'un, excusez-moi, ils disent que c'est mes brebis. Ah non, ce ne sont pas tes brebis, c'est les brebis du Seigneur. Ah, mais on accepte que la personne dit c'est mon pasteur. Donc, on est pasteur, mais on n'a pas de brebis. Mais il n'y a pas de berger sans brebis. Si tu es berger, c'est parce que tu as des brebis. Donc, si ce ne sont pas mes brebis, ok, je sais que Dieu a dit, paie mes brebis. Mais il les a mis sous mon autorité, je suis leur berger. Je conduis les brebis que le Seigneur m'a données vers le Seigneur lui-même. Amen. Donc, quand je dis que ce sont mes brebis, je ne me substitue pas en Dieu. Je me substitue pas en Dieu. C'est juste une question de foi, de fausse humilité. Vous savez bien ce que je veux dire. Mais ce qui est extraordinaire, regardez. Quand Moïse parle au peuple, il dit, l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Et quand Dieu parle à Moïse, Dieu dit à Moïse, le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Dieu dit que c'est Moïse qui a fait sortir. Et Moïse dit que c'est Dieu qui a fait sortir. Maintenant, qui a fait sortir? C'est Dieu et Moïse. C'est Dieu au travers de Moïse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ne faites pas ça. Parce que, écoutez, quand vous avez quelqu'un qui est pasteur, qui vous conduit, qui vous paie dans le Seigneur, rendez grâce à Dieu. Et au moins la lucidité de prier pour lui. Parce qu'aucun travail n'est facile. La vie n'est facile pour personne. C'est difficile pour le policier, c'est difficile pour le plombier, c'est difficile pour le politicien, c'est difficile aussi pour l'ombrier. S'il vous plaît. Même s'il multiplie les erreurs, il n'y a que Dieu qui ne fait pas d'erreur. Parce que Dieu connaît le travail, mais nous, on ne le connaît pas, on l'apprend. Même si tu as été formé, sorti de la plus grande université chrétienne, tu apprendras à faire le travail sur le terrain. Tu peux avoir reçu une formation et
il y a la formation académique où tu vas apprendre à l'école et puis ensuite tu vas mettre en pratique. Et quand tu vas mettre en pratique, tu vas trouver des gens qui ont déjà l'expérience. Et même quand tu finis la formation, tu vas demander le travail, on te dit oui, nous on veut quelqu'un qui a ce diplôme-là, mais avec 2 ans d'expérience. Mais les 2 ans-là, tu vas les faire où? Si on te les impose partout. Alléluia. C'est parce qu'eux, ils ont déjà des gens qui ont fait 2 ans, ils veulent comparer ce que tu es par rapport à eux. Donc, il y a cette formation académique qui est personnalisée par rapport au profil qu'on veut faire sortir de l'université. Et il y a la formation dans le tas. C'est-à-dire, tu es là, tu n'as plus de personne, on te prend, on te jette, et puis tu te débrouilles tout seul à nager et à voler jusqu'à ce que tu réussisses. Il y a des gens qui ont appris comme ça. Il était à l'église, juste deux fois, il joue au piano, bien, il était au protocole, et puis se retrouve quelque part, Dieu l'utilise puissamment. Il commence à servir Dieu, il n'avait aucune formation, et il va servir avec une telle qualité, mieux que celui qui a été même formé. Est-ce que vous voyez? Et puis après, pour bien arranger les choses, il va aller à l'école biblique pour mettre chaque chose à sa place. Ça s'appelle l'emballage. Mais vous savez que quand l'emballage change, le prix aussi change. Vous êtes d'accord avec moi? En marketing, quand l'emballage change, le prix change. Et le même produit que tu as l'habitude d'échanger, quand tu passes au rayon d'acheter, tu vois que l'emballage a changé. Tu as envie de découvrir qu'est-ce qui a réellement changé. Ne fût-ce que toucher. Amen. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la formation de proximité. C'est-à-dire que tu apprends en regardant quelqu'un faire. Et c'est ce que Josué a fait. Josué, on l'appelle aussi serviteur de Moïse. Il a fait 40 années aux côtés de Moïse sans que Moïse lui dise, c'est toi qui vas me succéder. Mais et puis, le meilleur ami de Josué, c'était qui? C'est Caleb. Caleb, meilleur copain de Josué, mais il n'a jamais été jaloux de sentir que c'est Josué, son ami, qui est pressenti à succéder et à le diriger un jour. Il ne lui a pas mis les bâtons dans les roues. Je souhaite, dans le nom de Jésus de Nazareth, que tu aies ces personnes-là sur ton chemin. Amen. Les personnes au profit de Josué et de Caleb. Une amitié qui n'est fixée que sur les sentiments du cœur. On s'aime et c'est pourquoi on est unis. Amen. Il n'y a jamais eu lutte autour de Moïse entre Josué et Caleb. Mais pourtant, les deux sont qualifiés. Et je vous apprends même que quand Josué passe, son adjoint, ce n'est pas Caleb, alors que c'était son meilleur pote. Mais Josué passe, Caleb sait que Josué c'est son pote, mais jamais Josué ne s'est battu pour que, jamais Caleb ne s'est battu pour que Josué fasse de lui son adjoint. Pour moi, c'est juste une fierté que c'est mon pote qui dirige. Même si je ne suis pas dans son adjoint, mais je suis son défenseur au bas niveau. Essayez de parler du mal de vous allez me rencontrer. Parce que c'est notre pouvoir, c'est notre règne. Alléluia. Que Dieu nous donne des Josué et des amis à la dimension de Caleb. 40 années que Josué apprend. Nombre 27, verset 18 à 23, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, prends Josué, prends. Prends, c'est quoi? C'est le verbe prendre. C'est possessif. Prends. J'aime cela. Je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, Brice et Inès vous prennent. Parce qu'on prend toujours au milieu de quelque part. C'est une sélection. Prends. Prends. Prends Josué. Fils de Nun. Toujours. Fils de. Donc, je trouve. Les jeunes qui me voient, je suis pasteur, la question, la première question que je pose, c'est qui ton père spirituel? En ce moment, quand il me donne le nom du père spirituel, je peux savoir à peu près ce qu'il les représente. Amen. À partir de son père spirituel, il est sorti du bon Dieu. Hein? Il y en a un qui doute même de leur père spirituel. Il demande qui est ton père spirituel. En fait, moi, j'ai plusieurs pères spirituels. En fait, c'est-à-dire que quand on a. Prends Josué, fils de Nun, homme en qui résidait l'esprit. Tout court, et vous allez voir que dans votre Bible,
l'esprit qui est là, son ministère, le peu qui est là, au ministère. Homme en qui réside l'esprit. Il n'a pas dit homme en qui réside le Saint-Esprit. L'homme en qui réside l'esprit. C'est-à-dire que en lui, il y a un esprit. Vous savez, quelquefois, l'esprit, dans le langage courant, peut exprimer un système de pensée. Hein? Non, moi, je n'aime pas cet esprit-là. En fait, penser à un système de pensée, à une façon de faire. Mais ici, il s'agit véritablement de l'esprit qui vient de Dieu. C'est-à-dire que cet homme, en lui, réside véritablement un bon esprit. Voyez-vous? Et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant à ta dignité. J'aime ça. Participant à ta dignité. Ne sois pas surpris que ton fils marche comme toi, parle comme toi. Il a été simplement amené à ta dignité. Voyez-vous? Tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. L'objectif est que ces gens puissent l'écouter. Mais pour qu'on puisse l'écouter, il y a des conditions. T'écouter, ça veut dire être prêt à t'obéir. T'écouter pour ensuite faire un choix. Décider de te suivre ou de te servir. Mais il y a des gens qui ne te donnent même pas l'occasion qui t'écoutent. 40 années après, Josué passe donc aux commandes. 40 années après. Mais pendant les 40 années, Josué a tout vu. Josué a vu la rébellion des gens contre Moïse. Mais lui ne s'est pas rébellé. Josué a vu la contestation des Myriam et des Aaron, son frère et sa sœur aînée, l'ont désavoué. Josué était là. Il n'a jamais cherché à prendre leur place. Il ne disait même pas que finalement c'est une affaire de famille. Juste parce que Dieu tranche, Dieu va leur dire, écoutez Myriam et Aaron. À vous, je vous parle par des songes. Mais à Moïse, je lui parle comme l'homme parle à l'homme. Amen. Dieu a tranché. Donc, ça dit, tu sais, je ne suis pas surpris que tu prêches plus que ton père. D'abord, le souhait de chaque père, c'est que ses enfants aillent au-delà des performances qui sont les siennes. Donc, mon souhait est que mes enfants fassent plus que moi. Quand tu engendres, c'est pour que ton enfant te dépasse. C'est-à-dire que la limite du départ, c'est là où tu es. Et les enfants ont la vocation d'aller au-delà des performances de leurs parents. Amen. Et les enfants, les parents ne meurent pas pour les enfants. C'est les enfants qui se sacrifient pour leurs parents. C'est pourquoi Jésus s'est sacrifié pour son père. C'est pour cette raison que George Bush est allé combattre Saddam Hussein. Parce que Saddam Hussein s'était permis de dire, George Bush, là, je vais t'attraper, je vais te couper la tête. Saddam Hussein. Et quand Bush père a quitté, le fils est revenu, le fils est allé défendre son père. Et le jour où, on nous dit que le jour où Saddam Hussein va être exécuté, George Bush est parti au camp d'Alte, à côté de son père. Il dit, les gars, comment j'ai traité tes aînés. On se met ensemble. Amen. Donc, à un certain niveau, dans le ministère, quand tu es engendré, tu laisses tes enfants régler les comptes à tes aînés. Je compte sur vous, laissez en dessous. Laissez quoi. Il y a eu une guerre chez nous à Brazzaville à l'époque, une guerre civile. Et si vous n'aviez pas dans la famille quelqu'un au cerveau retourné, vous étiez cuit. C'est pour cette raison que vous avez dans la famille des gens qui sont un peu bizarres. Il ne faut jamais les mépriser.
Vous avez un voisin qui est bizarre, il ne faut jamais le mépriser. Parce que tu ne sais pas quel moment. D'abord, il ne faut mépriser personne dans la vie. Parce que tu ne sais pas ce qu'il peut t'apporter un jour. Et lorsqu'il y a eu la guerre, ce sont ces gens au cerveau retourné, aux mentalités bizarres, qui se mettaient devant la pastèle et puis les autres voyaient dire, ah non, il ne faut pas aller là-bas. Il voulait se sentir qu'il n'était pas pillé chez vous, incendié, parce qu'ils savent que celui qui est là aussi est de la même nature qu'eux. Maintenant, quand vous respectez les gens, un de mes frères, lui, c'est un homme politique qui vivait dans le grand centre de Brazzaville, dans le bec du village, tout ça, et puis, ce n'est pas chez nous là-bas qu'il y a des gens qui sont spécialistes pour ramasser les ordures. Donc, ils ont des espèces de pousses à deux roues, ils viennent ramasser les ordures pour les pays, au ramassage pour les pays. Et donc, ce jeune, il est étranger, et son travail, c'est ramasser les ordures. Donc, il n'est pas assez propre. Donc, il prenait les ordures et il va les déposer dans les décharges. Et chaque fois qu'il venait dans le quartier ramasser, mon frère, qui était un homme politique, se plaisait à causer avec lui. Il lui offrait à boire. Il lui donnait un peu plus d'argent que ce qu'il demandait. Il parlait foot. Il parlait de beaucoup de choses. Il a sympathisé avec lui. Ce qui fait que, même quand il n'avait pas des ordures à prendre sur mon frère, il entrait et il dit, ah, papa, comment ça va, la santé, oui, ça va, mon petit. Ah, mais je suis tout beau aujourd'hui, là. Ah, mais j'ai vu que tu as beaucoup gagné aujourd'hui, donc. Mais attention, il ne faut pas finir avec les filles. Il lui donnait les conseils, c'était bien. Parce que quand il y a eu la guerre, ce jeune homme va tomber sur Nicosé, le politicien. Qui se faisait la guerre, ils ont dit aujourd'hui à 2h, on doit aller le tuer. Donc il doit le tuer, mon frère, à 2h du matin. Et le ramasseur d'ordures. Le ramasseur d'ordures. Comment on appelle encore en langage, tu sais, le boueur. Il a capté la causerie. C'est mince. Mon Dieu, on va le tuer. Il va voir le Dieu, il dit, papa. Aujourd'hui, à 2h, ils viennent te tuer. Ils sont postés partout, ils suivent tes mouvements. Partout, tu es là. Si tu essaies de fuir, ils t'éliminent en plein jour. Donc, il faut que je te sorte d'ici. Toi, les boueurs, me sortir d'ici. Il dit oui. Je vais te mettre sous les ordures. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a pris son instrument, il a vidé ce qui est en bas. Il a mis mon frère dans les ordures, il a entouré des plastiques, il a exercé quelques ouvertures pour qu'il puisse respirer avec quelque chose dans la bouche. Il a jeté tous les ordures dessus. Et il a continué à ramasser parcelle par parcelle parce qu'il faut brouiller les pistes. Et c'est comme ça que pour ceux qui connaissent Brazzaville, d'un boulevard, arrivé là-bas, il le décharge, il le sort des ordures. Qui l'a sauvé? Le ramasseur des ordures. Il l'a sauvé avec quoi? Avec ce qu'il s'est fait, les ordures. Donc le ramasseur des ordures et les ordures l'ont sauvé. Amen. Ce ramasseur sans les ordures, il aurait pu le sauver? Non. Il fallait les ordures. Donc tout est utile dans la vie. Même les ordures, respecte-les. Mets-les dans un bon sac. Il va les déposer respectueusement parce que ça peut te sauver un jour. Ça sauve aussi des gens qui fuient là-dedans. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tout, ce n'est pas parce que maintenant tu as reçu l'onction, tu as reçu l'appel, tu es de la génération de Jésus que tu ne dois respecter personne. Au contraire, si tu es serviteur de Dieu, tu commences par te respecter, à te faire respecter, à respecter les gens, à respecter ce que tu prêches, à respecter les gens que tu diriges, à respecter le Dieu que tu prêches. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai commencé à 3 minutes. On va lire. C'est pas comme ça. Et une chose vraie, c'est que je ne vais pas tout finir. Je vais vous donner juste les grandes lignes sur les 3 axes qui ont permis à Josué, n'est-ce pas, de conquérir la terre promise. Premier axe. Dieu dit à Josué, vous voyez là, Moïse n'est plus, nous sommes d'accord? Moïse n'est plus. Voilà. Moïse n'est plus.
Maintenant, Josué rentre en fonction. Le problème, c'est que Josué ne rentre pas en fonction comme ça. C'est-à-dire, quand Moïse est mort, Josué sait que c'est lui qui va succéder, mais il ne s'est pas autoproclamé, il ne s'est pas précipité pour dire « c'est moi le nouveau boss ». Il a attendu jusqu'à ce que Dieu lui-même lui donne l'ordre. Dis à ton voisin, attendre l'ordre. Ce n'est pas le premier critère, mais c'est juste un conseil. Il faut attendre que les choses viennent elles-mêmes vers toi. Parce que si tu vas vers elles, elles peuvent te guérir. D'accord? Bien. Donc, Josué a attendu jusqu'à ce que Dieu lui-même l'appelle. Dieu lui dit, dans Josué, le chapitre 1, la partie B du verset 2, je lui dis maintenant. En anglais, on dit now. Donc, maintenant, c'est-à-dire pas plus tard, c'est-à-dire à l'instant où tu reçois, tu entends au son de la voix que tu entends, tu agis. Maintenant. Mais maintenant, peut aussi concerner une série de temps. Maintenant, c'est notre tour. Ça peut prendre du temps, ce maintenant. Ça peut se prendre sur un mandat. Voyez-vous? Maintenant, 1. Lève-toi. 2. Passe au Jourdain. 3. Toi et le peuple. C'est-à-dire toi en premier. Nous sommes encore sur la première chose qui a permis à Josué de réussir. Et nous allons le voir. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Autrement dit, il dit à Josué, tu rentres dans ce pays que moi je te donne. Or, depuis toujours, à Abraham, il a dit, je te donnerai. À Isaac, il a dit, je te donnerai. À Jacob, il a dit, je te donnerai. À Jacob, à un moment donné, il a dit, je te donne. Après, il est reparti, encore, je te donnerai. Et c'est à Josué qu'il dit, je te donne maintenant, là, je te donne. Tu rentres dans le pays. L'ensemble de tout cela s'appelle quoi? Promesse. Promesse. Donc, l'une des choses qui a conclu à la bonne possession de la terre promise par Josué, c'est parce qu'il avait une promesse. Faites attention à quelqu'un qui est conduit par une promesse, parce que la promesse, Dieu ne la modifie jamais. Quand Dieu a fait la promesse, il ne t'a pas consulté et il ne va pas aussi la consulter, la changer à cause de toi. Quelqu'un qui a une promesse est quelqu'un de très dangereux. Parce qu'il est animé et guidé par la promesse. C'est là la différence entre celui qui est conduit par sa propre convoitise, par ses propres ambitions et celui qui a réellement reçu une promesse. Celui qui a reçu la promesse, même s'il fait des erreurs, faites attention. Parce que Dieu ne regarde pas aux erreurs, mais Dieu regarde à la promesse. Amen. Même s'il est enfant, il n'est pas expert sur le terrain. Il y a des gens qui se forment en marchant. Il y a des gens qui apprennent en faisant plus d'erreurs que les autres. Et ils ont beaucoup appris. On est ensemble? Amen. La promesse peut être confrontée à l'épreuve de l'âge. C'est-à-dire que la promesse est là, mais l'âge avance, tu as l'impression que la promesse ne s'accomplit pas. Et la Bible dit qu'il y a des gens à qui Dieu a fait des promesses, même pendant qu'ils sont en train de mourir, ils croient qu'ils vont voir la promesse. Ils sont morts, et c'est là-bas dans le séjour des morts qu'ils ont vu Jésus leur dire, ce qui vous avait été promis est accompli. C'est extraordinaire quelqu'un qui a la promesse. C'est difficile de le contrôler. Parce qu'il est là, il continue à croire. Espérance contre toute espérance. Il y a le feu, il y a le vent, mais il continue à croire que Dieu m'a promis. Je sais que ça va marcher, ça va se passer. Et nous, Sarah avait reçu une promesse, mais il y a eu des contours, des courts-circuits, il y a eu des bricolages. Alléluia. Lorsque tu as une promesse, tu ne bricoles pas. Quand Dieu t'a promis, tu ne bricoles pas. Il y a des choses que j'ai vues. J'ai vu les gens se battre parce que, en réalité, celui qui a une promesse, il agit peu pour beaucoup de résultats. Mais celui qui n'a pas de promesse, il se bat pour aucun résultat. Vous voyez la différence entre Sarah et Agar, c'est quoi? C'est que Sarah avait une promesse. Et elle a souffert, elle a attendu, elle a été patiente face à la promesse. Elle a été patiente. Son âge a joué contre elle. Il y avait la promesse, mais l'âge lui donnait un message. Tu es fatigué. Elle regarde sa poitrine, elle est fatiguée. Elle regarde son ventre, elle est fatiguée. Elle regarde ses jambes,
Et quand elle essaie de courir une minute, elle n'arrive pas à avancer. Mais où est-ce que j'aurai l'énergie pour pousser l'enfant? Je n'ai même plus l'énergie. Mais elle continue à croire. À un moment donné, elle ne croit pas. Elle ne croit plus. Quand Dieu a dit à son mari que ta femme aurait un enfant, elle dit son rire avait tout dit. Avec quel corps? Avec quelle matrice? Avec quel utérus? Avec quel ventre? Avec quel souffle? Avec quelle énergie? Et Dieu se rit. Dieu se rit. Parce qu'elle a dû attendre. Mais Agar n'a pas attendu. Oh. Agar n'a pas attendu. Agar n'avait pas de promesse. Agar est venu pour travailler. Et puis il est tombé sur une opportunité. Attention aux opportunistes. Moi je suis sûr que celui qui a une promesse, même si un opportuniste passe devant, celui qui a la promesse va le rattraper. Celui qui a la promesse va le rattraper. La promesse va rattraper l'opportuniste. Agar a bondi sur l'occasion. Celui qui a la promesse ne bondit pas sur les occasions. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais tôt, il agit toujours dans le temps. Lorsque le moment en question arrive, la Bible dit que Siméon s'est rendu au temple à l'heure de la prière. Donc il n'avait jamais changé. Ponctuel à la prière jusqu'à cet âge. Siméon. 15h, il est là. Et la Bible dit que Siméon s'est rendu au temple à l'heure de la prière. Quand il est arrivé, on présentait l'enfant. Seigneur, mes yeux ont vu. Maintenant, je peux m'en aller en paix. Vous rendez-vous compte s'il était venu en retard. Alléluia. La promesse. Agar n'avait pas de promesse. Elle n'avait pas attendu. Elle a bondi sous l'occasion. Elle a eu le bébé. Elle est la mère du premier fils du patron. Je suis la mère de son premier enfant. Mariée, femme légitime, femme légale. Elle connaît la douleur de l'enfantement. Femme légale. Légale de quoi? Légale de la stérilité légale. Vous savez, ce qui peut faire mal, c'est où vous trouvez les mots. Hein? Pas qu'elle a dit tout ça, mais au final, Dieu dit à Abraham, chasse l'esclave. Non, il n'a pas dit chasse la mère de ton enfant. C'est-à-dire que malgré le temps, malgré l'expérience, malgré l'opportunité, malgré l'enfant qu'elle a eu, elle est esclave. Et son statut n'a pas changé. La naissance de l'enfant n'a pas changé son statut. Mais Sarah est restée la mère légale. Je me demande comment vous réagissez comme ça. Je me demande comment quelqu'un ne peut me pas dire amen. Vous ressemblez à l'un de mes amis, vous allez s'en souvenir. Et depuis là, je suis un peu perturbé en vous regardant. Venez sur vos genoux, je vais prier pour vous. Que Dieu vous fasse du bien, voyez-vous. Que vous ne soyez pas un opportuniste, mais que vous ne ratez aucune opportunité que Dieu met devant vous. Parce que les opportunités sont comme des trains qui passent. Si tu le rates, c'est fini. Le deuxième que tu vas prendre n'est pas le même, tu vois. Et je demande donc que Dieu te bénisse. Tu vois, que une grâce particulière vous soit faite. Changer la destinée de ta vie. Pour que tu fasses le ministère, même en souffrant, mais que tu ne souffres pas. Là où Dieu va te glorifier, chacune des énergies, des forces, du temps que tu investis pour ce ministère que Dieu te rend. Ce sourire que je vois en toi puisse se matérialiser par les grandes choses que Dieu va accomplir pour t'apporter le sourire. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est incroyable parce que Sarah, elle a bondi sur l'occasion, elle a saisi l'opportunité, un enfant est né.
Et puis on va dire, vous voyez, ma chère, comment ça va? Ouh là là, tu vois, le 6 est devenu 9. Ah bon? Oui, c'est moi, j'étais là, le chiffre 6, mais on m'a retourné, je suis devenu 9. 9 en football, c'est l'avant-centre. Celui qui se met dans l'axe devant le but adverse et qui prend tous les centres qui le mettent dans les buts. C'est moi. Je suis l'avant-centre dans cette maison. J'ai marqué, je porte le numéro 9. Mais attention, la vie, ce n'est pas toi qui l'as commencé. Amen. Même si apparemment ta voiture passe très vite, il t'a dépassé, il est passé, tu étais à 110, il est passé à 180. Mais tu vas le retrouver au péage. Amen. Et vous allez passer ensemble. Parce que là où il est allé au péage, il y a un gros camion qui est tombé en panne. Le gars a des problèmes avec sa carte bancaire, ça passe pas. Et toi, tu viens me trouver, tu le regardes de l'autre côté, tu mets ta carte, et puis tu passes, lui, il reste là. Il ne peut pas manœuvrer parce que d'autres voitures doivent le récupérer pour qu'il passe. Non, tu n'arriveras pas en retard parce que tu as une promesse. Amen. La finalité, c'est que Agar n'avait pas de promesse, elle n'avait pas patienté, elle ne s'était pas battue, mais elle a eu l'enfant et elle et son enfant chassés. Alléluia. Amen. Laisse que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a Isaac et Ismaël. Évidemment, comme j'ai dit, ils ont été chassés, ça s'est passé. Et puis, il y a Josué lui-même. Le dévouement et la consécration. Parce que Josué a été témoin de tout le tort qu'on a causé à Moïse. Jusqu'à ce que ces gens, Dieu les délivre de l'Égypte. Ils prennent les richesses de l'Égypte, les bijoux, les ors, les diamants, ils prennent tout. Et pendant que Moïse est dans la présence de Dieu, ils prennent la bénédiction que Dieu leur a donnée, ils fabriquent un Dieu avec qui ils commencent à adorer. Mais ce n'est pas possible. Comment? Ce Dieu qu'ils ont fabriqué, ils l'ont fabriqué avec quel or? Or qu'ils ont pris en Égypte, que Dieu leur a donné en délivrance. Je ne veux pas que Dieu vous bénisse dans cette église, et que cette église, cette bénédiction que vous avez reçue, soit l'objet de votre égarement. Mais non. Écoutez, ce n'est pas parce que vous êtes diacre, que vous êtes ancien, que c'est fini. Mais c'est grave d'être ancien diacre. C'est grave. C'est grave. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'attacher à la promesse qui est dans cette église. Amen. Voyez-vous? Juste à ce que, un jour, Dieu se fâche. Ils avaient marqué une pause et Dieu dit à Moïse, bon Moïse, écoute, c'est bon, vous allez continuer la route jusqu'à la terre promise. Mon ange va vous accompagner. Mon qui? Mon ange va vous accompagner jusqu'à destination. Mais moi, je n'irai pas avec vous. Ça s'appelle la présence de Dieu. Amen. Donc Jésus n'a pas eu que la promesse. Tu peux avoir la promesse, mais il faut avoir la présence de Dieu. Amen. C'est comme je vous expliquais hier, celui qui a le talent, le don et la grâce. Amen. Tu vois, on a tous le don au ministère. On les sait tous ordonnés le même jour. On a tous reçu l'onction. Mais c'est la grâce qui va faire la différence. Amen. Tu vois? C'est la grâce qui va faire. On a tous le don d'opérer les miracles. Vous pouvez trouver des gens très puissants, ils font des miracles. Des miracles, des délivrances extraordinaires. Mais son église ne grandit pas. Son ministère n'avance pas. Il y a une grâce qui lui manque. La grâce, c'est cette faveur particulière que Dieu te fait. Parce qu'il est là avec toi. Et il y a des gens qui, quand il se met à genoux, Seigneur, c'est moi, c'est ma famille, c'est mon Jérôme, c'est mon Gérard, Seigneur, bénis-moi. 2 heures du temps, il crie. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Et quand Dieu vient le répondre, il n'est plus là. Mais qui a crié pendant 2 heures? C'est Gérard. Dieu veut lui parler, il est parti. Il est déjà dans sa voiture. Non. Tu as fini de prier, reste un moment. Une pensée peut venir. Un attouchement peut venir. Je venais de perdre mon épouse. Je
suite à la guerre chez nous, je suis allé dans un pays, chez un ami, j'étais seul dans une chambre. Je ne comprenais pas ce qui arrivait à ma vie, j'avais 35 ans. Je ne comprenais pas ce qui arrivait à ma vie. J'étais assis à même le sol dans la chambre en train de réfléchir. J'ai prié. À un moment donné, dès que j'ai fini de prier, l'électricité est partie, c'était le moment. Je me suis sorti. Je suis resté là. J'ai dit, Seigneur, je suis Serge et ça va tout le potentiel. Je suis dépité. À un moment donné, j'ai senti quelque chose rentrer dans la chambre. Une présence. Je n'ai pas supporté. Le courant est revenu. Et la présence a disparu. Je me suis dit, mais si je n'ai pas maîtrisé, peut-être que j'aurais fait quelque chose. Je me suis dit, pourquoi j'ai crié? Pourquoi j'ai crié? Et le courant est revenu. Alléluia. Il a dit, tu vois, tu ne peux même pas supporter ma présence. Alléluia. Mais Moïse lui parlait comme ça, face à face. La présence de Dieu. À un moment donné, s'il te plaît, ne va pas dans sa présence pour prier, pour demander. Va dans sa présence juste pour le canton. Pour rester. Je vais arriver que tu es dans ta chambre et puis ton enfant court dans la chambre, se pose sur ton câlin et ne dit rien. Mais tu sens le fait d'être parent. Tu sens cette responsabilité, tu regardes son avenir et tu commences à lui caresser la tête. C'est cette présence-là. Parce que l'enfant se sent en sécurité. Vous avez déjà vu un enfant régner son père parce qu'il est pauvre? Non. Sorti de l'école, les autres parents viennent en Lamborghini, en quoi? Mais son papa qui vient à pied, il va dire, papa! Il va dire à ses hommes, mon papa! C'est son champion, même s'il est à pied, même s'il n'a pas eu. C'est son champion. Il est champion parce qu'il a réussi à le mettre au monde, à le faire rentrer dans le terrain de la compétition de la vie, afin qu'il se démarque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyez-vous? C'est pour cette raison que la présence de Dieu, quand tu es serviteur, il faut l'aimer. On vous consacre et puis chez vous, vous dormez. Vous mangez beaucoup la nuit avant de dormir, vous dormez comme ça. Vous savez pas que il y a certaines nourritures qui provoquent des cauchemars. Tu rêves en fonction de ce que tu manges la nuit, tu sais pas ça? La nourriture influence ton sommeil et ton rêve. Il y a des aliments qui sont difficiles à digérer et ça te crée des problèmes au ventre. Et le cerveau a du mal à faire exécuter l'ordre de la digestion et puis tu commences à rêver, à faire des hallucinations, puis te dire j'ai fait rêver. J'ai rêvé que je suis rentré dans un champ de patates. Et puis là, j'ai vu une patate qui avait détesté. Mais qui t'a dit de manger les patates à cette heure? Vous savez, dans mon travail, j'ai vu des choses parce que j'ai reçu en entretien, j'ai écouté les rêves et puis je l'ai dit. Qu'est-ce que tu as mangé? Et quand j'ai écouté, et avec ça, tu m'es rêvé quoi? C'est la dernière chose que tu as vue avant de manger, avant de dormir. La dernière chose que tu as vue dans l'assiette, c'est ça que tu as vu. Ton subconscient a capté cela en photo. Il est amené ça dans le sommeil. J'ai dit à cette maman, tu manges mal avant de dormir. Change ton alimentation, tu verras que tes rêves vont changer. Fais quelques exercices, arrête de manger peut-être vers 17h, 19h, sauf vraiment en cas d'exception, mais arrête les 17h, passe à autre chose, commence à méditer, amuse-toi avec tes enfants, jouis avec ton mari, fais des choses, tu verras ça va changer. Va avec ton mari, est-ce que tu rêves ton mari? Non, je ne rêve jamais, je ne comprends pas, je dis, mais écoutez, commencez à avoir des rapports. La journée, n'attendez pas tard la nuit, quand tu te sembles, vous n'êtes pas des voleurs. Faites-le le matin, faites-le bien, et puis tu vas voir, ça va venir dans le rêve, tu vas le rêver.
Il y a une tribu qu'on dit hé hé, tout va bien. Vous savez, Dieu va dire à Moïse, écoute Moïse, je vais envoyer mon ange partir avec vous. S'il te plaît, tu as vu beaucoup d'anges, gloire à Dieu, mais vois Dieu. Amen. Vois Jésus. Il y a quelqu'un qui l'a vu. Sa vie a été transformée. Amen. Tu peux voir les anges, c'est beau. Mais ce sont les serviteurs. Aucun des anges, Amen. Dieu ne l'a appelé mon fils. Amen. Mais toi, Dieu t'appelle ton enfant. Amen. Tu es une exception. Amen. Dieu dit, j'envoie mon ange avec vous, mais moi je ne viendrai pas. Dieu dit, quoi? Toi tu ne viendras pas. Écoute, je te dis déjà que si tu ne viens pas, toi-même tu ne vas pas avec nous, moi non plus je ne pars pas. Parce que Moïse savait qu'il était inchangeable. Amen. Dis inchangeable. Inchangeable. Irremplaçable. Irremplaçable. Voilà. Vous savez, à un moment donné, quand tu traites avec Dieu, Dieu voit ton système de pensée. C'est pour cette raison que Dieu exauce plus tes pensées que les prières que tu fais à genoux. Vous voyez, quand tu dis prier sans cesse, ça veut dire quoi? Prier sans cesse, ça veut dire que tu ne fais même plus rien. Mais quand tu pries, lorsque tu pries, c'est tes pensées. Ces choses qui te choquent. Et puis après, tu réfléchis, tu penses et puis tu prends une décision. Dis non, je n'encourage pas ça à mes enfants. Ça devient une prière. Dieu a réglé cela. Ça n'arrivera pas à tes enfants. C'est une prière. Ton système de pensée, c'est celui-là que Dieu exauce beaucoup. Parce que le reste, là, des fois, ça fait des prières hypocrites. La Bible dit, tel il est, tel sont ses pensées. Donc, pense bien. Prie, et tu verras que tu auras beaucoup prié. C'est pourquoi tu vois des choses qui t'arrivent, tu dis, mais je n'ai pas demandé si j'avais pensé. Amen. Dieu te l'a donné. Amen. C'est pourquoi il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertu, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Il y en a un qui pense mal, mais qui prie bien comme des bombardiers de Poutine. C'est bien. Mais tu ne verras rien. Il y en a qui pensent bien. Et même quand ils prient, c'est la conséquence de ses pensées qu'il dit dans la prière. Quand tu vois des gens, il est calme, il est juste en train de penser, de réfléchir. Et il devient plus fort que toi parce que la pensée a la puissance de créer. Dieu dit faisons. Donc avant de faire, il a pensé. Et c'est ce qu'il a fait. On est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est bon, on peut continuer? Amen. Donc, tu sais que si je continue, je peux vous amener jusqu'à demain matin. Mais notre chrétienté souffre de cela. Parce qu'on pense plus de temps à penser le malheur des autres, la destruction des autres. Tu vois un frère qui réussit dans son ministère, au lieu d'être content, au lieu d'aller le soutenir, de le bénir, juste de me dépasser. Vous voyez le problème, c'est que j'ai passé. Tu n'es pas Dieu. Tu ne sais pas comment il fait. Peut-être qu'il est avec le diable. Contente-toi de ce que tu as. Sois fier de toi comme tes enfants sont fiers. Amen. Et tu verras que quand ton moment va arriver, tu es tranquille dans ton esprit. Amen. Tu ne te bats pas. Et quand Moïse a refusé, Josué était là. La Bible dit que Moïse est allé vers, en fait, ils étaient dans leur tente et leur tente était autour de la tente d'assignation. Donc, les habitations étaient faites de sorte qu'ils soient autour de la tente d'assignation. Et à un moment donné, lorsqu'ils ont campé, la tente était un peu avancée, un peu loin. De telle sorte que Dieu va dire à Moïse, d'accord, tu veux que je vienne avec toi? Alors, que tous ceux qui sont en bijoux, ceux qui sont parés, tout ça là, enlever toutes ces choses-là. En fait, quand vous lisez bien la Bible, vous comprenez que Dieu leur fait payer la faute qu'ils ont commise en prenant les bijoux pour adorer Dieu. Ça veut dire qu'ils vont enlever le bijou pour faire le deuil. Ça veut dire que la chose même qui a profané Dieu,
il faut la transformer maintenant à louer Dieu. Tu es la belle femme que tout le monde draguait et tu acceptais toutes les sollicitations. Maintenant, tu acceptes les sollicitations et tu les amènes à Jésus. Amen. Je peux te voir? Oui, il n'y a pas de souci. Quand le 12, c'est un dimanche, à 14h, je vous reçois chez moi. Comme ça, on va causer tranquillement. D'accord? 14h, oui. Vous venez, vous allez voir, c'est un immeuble. Et puis, vous allez voir, c'est écrit là, CEC. Et vous suivez la flèche. Amen. Quand vous allez voir, il y a une dame, c'est elle qui s'occupe de foi, les gens qui viennent me voir. Vous dites, je vais voir mademoiselle Terre. Et puis vous gardez en dimanche, comme il y en a pas. Il vient, bonjour, je vais voir Magali. Ah, Magali, oui, on va vous installer. Oh, même ça pour les nouveaux. C'est pas mal. Ah, le gars, on l'installe. Il dit, bon, on va la chercher. Dernière touche. Coco Carter. Bonjour monsieur, je suis le pasteur de l'église. Vous voulez voir Magali? Oui, venez avec moi. Magali? Ah! C'est mon invité. Regarde, tout le temps qu'on prêche, il n'est pas là. Tout le temps qu'on prêche, et Magali est bien habillée. Ne viens jamais à l'église comme si tu vas dans ta cuisine pour faire la vaisselle. Viens à l'église, ça dit casse la théorie. Ça dit démobilise. Toi, tout ce qui peut t'empêcher d'être beau, ben, alléluia, passe tout ça là. Fais-toi beau, fais-toi belle. Tant pis pour ceux qui vont, tant pis pour les victimes. C'est pas toi qui fais les victimes, mais toi, tu te fais beau, ben. Et ce jour-là, Magali était tout sauf très belle. Et le gars, on prêche. Paf, le gars, il sort, il tombe. La délivrance a commencé. Parce qu'après, ce n'est plus ton problème. Tu dis simplement, Dieu, il est là, occupe-toi de lui. Et Dieu s'est bien occupé de lui. Quand il s'est levé, il avait vomi. Il ne savait même pas là où était sa chaussure. Il avait l'esprit de gorille. L'église là où il priait, des poteaux comme ça, il s'écouait. C'était une nouvelle personne. Et le frère est devenu pasteur un jour. Voyez, c'est ça, c'est ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire que tout ce que Dieu t'a pris là, mets-le à son service. Amen. Puisque le diable avait pris en toi là, mets le service de Dieu. Et Dieu te bénira. D'accord? Amen. Voilà. Et puis finalement, quand ils ont sorti tout leur bijou, ils ont déposé leur bijou, ils sont devenus vulgaires. C'est en ce moment-là que Moïse va se lever, il va vers le temple. Et quand il va vers le temple, les peuples, la population est sortie chacun devant sa cabane pour assister au spectacle. Il y a comme une colonne de feu. Une colonne, une nuée qui est venue, c'était Dieu, qui est venu s'installer devant le tabernacle. Et Moïse est rentré, il se sent entretenu. Imaginez qu'il est juste à vivre les choses. Il était témoin de tout ça. Et quand Moïse a fini, la Bible dit que Moïse a fini, Dieu lui a dit, d'accord, je vais partir avec toi. Dieu a changé d'avis. Moïse va dans sa tente, mais Josué est resté dans la tente, là où il a vu Moïse et Dieu parler. 40 ans au pied de Josué, au pied de Moïse, sans changer. Restez là où tu es. Reste au pied de cet homme. Reste au pied de cette femme. Reste là. Josué a vu tout cela. Moïse est parti, mais lui il est resté. Quand il est resté, la nuit aussi est partie. Mais il est resté en train de garder le temple, de garder le tabernacle, de garder tout ce qui est à l'intérieur, parce que c'était un enfant. Ça veut dire que quand Dieu l'a pris, Jésus avait autour entre 20 et 30 ans. Donc, quand vous ajoutez 40, quand Jésus est plus de 70, par qui prend les choses, que Dieu lui donne les choses. Amen. C'est lui qui doit nous dire les choses. Quelle patience. Jésus n'a jamais posé de problème à Moïse. Moïse ne l'a jamais suspendu. Moïse n'a jamais réprimandé devant les gens. Moïse ne l'a jamais renvoyé du temps. Quand Moïse salit, Jésus vient nettoyer. Quand les gens se plaignent de Moïse, Jésus ne vient pas le dire. Quand Moïse aussi se plaint des gens, il ne fait pas le trafic d'influence que Satan faisait entre le trône et les autres anges. Il est resté modeste. Parce que si Dieu te fait grâce de voir la nudité
de ton leader, ça devient un sujet de prière pour toi. Tu gardes ça pour toi. Tu luttes. Quand je dis la nullité, si ce n'est pas nécessairement le sans-avis, mais quand tu découvres ses défauts, ses faiblesses, tu te rends compte que c'est un homme comme toi qui va aux toilettes aussi comme toi. Parce que moi, à l'époque, quand j'ai regardé toutes ces femmes qu'on nous racontait dans le temps des fées, moi, je croyais qu'elles ne partaient pas aux toilettes. C'est qu'elles étaient tellement belles qu'aller aux toilettes devait être la pire des choses. Or, que c'était les 100% hommes. Et Jésus aussi est allé là-bas. Il est allé vider son ventre. Comme chaque être humain, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Amen. Donc, première chose que Jésus a eue, c'est quoi? La promesse. Deuxième chose, la présence de Dieu. Troisième chose, Dieu va lui dire que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alors, ça veut dire quoi? Ce livre de la loi, c'est un parchemin. Donc, Moïse, Jésus doit l'avoir en physique. Qui ne s'éloigne pas de ta bouche, ça veut dire que Jésus doit le marmonter. Il doit le déclarer, il doit le proclamer. Et ensuite, méditer, ça veut dire qu'il doit l'enregistrer dans la base de données de son cœur. Et c'est en ce moment-là que quand tu es dans les situations, la base de données et jette donc le missile qu'il faut pour aller résoudre le problème. Et c'est comme ça que Jésus a réussi à rentrer à la terre promise. Et quand Jésus a fini sa mission, écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. Quand Jésus a fini sa mission, je vais lire ça. Et puis, voici ce que Jésus dit quand il a fini sa mission pour assurer la relève. C'est Jésus 23, 14. Il va dire, voici, je m'en vais maintenant. Il a fini la mission. Je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. C'est quoi? La mort. Par le chemin de toute la terre, reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles, c'est que Dieu leur a dit, aucune des bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Amen. Ça veut dire que toutes les promesses que Dieu a faites se sont accomplies. Donc l'objectif de Jésus, c'était l'accomplissement des promesses. Et quand les promesses se sont accomplies, Jésus a dit, ciao, mission accomplie. Soyez bénis, que Dieu vous fasse vivre, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous accorde sa faveur, que cette parole que vous avez une bonne place dans votre cœur, que cette parole vous aide, n'est-ce pas, à performer dans le ministère, pour ceux qui sont dans le ministère. Écoutez, je vais terminer. Je vous encouragerai à faire un tour au stand tout à l'heure. Prenez au moins un livre, lisez ces livres. Si vous êtes prédicateur, il y a là des thèmes extraordinaires pour faire des programmes et vous pourrez ajouter ce que Dieu vous mettra à cœur. Merci pour votre générosité. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ne faisons pas de pour le Seigneur. Et que Dieu puisse le plus de joie pour le Seigneur.